me voir chez moi, puis là, j'ai fait un cappuccino. Il est bon? Très bon. Il est-tu fort? Non. Il est pas assez fort? Ben, il est médium. Médium? Bon. Manque de sucre. Ça prendrait un peu de sucre. Ah ben, tu peux en mettre. J'en ai? Ouais, on peut en mettre. Salut tout le monde. Donc là, je viens de me préparer. Mon Dieu, il y a un monsieur bizarre qui est devant la porte. En tout cas, je viens de me préparer. En fait, je me suis maquillée parce que ça me tentait de me maquiller. J'ai genre lissé mes cheveux. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas lissé mes cheveux. Là, puis, oh my god, ils sont rendus longs. En tout cas, que je voudrais me faire couper les cheveux avant décembre. Là, que je vais demander à mon amie si elle peut, quand que je peux. Genre. Là, ma mère, elle est passée tantôt, comme vous l'avez vu, parce que son travail est comme juste à côté. Puis là, il est 1h47. Donc, il est resté comme sur l'heure de son dîner. Puis là, c'est ça, je me suis lissé les cheveux, ça fait tellement longtemps que je ne les ai pas lissés. Là. Puis je m'en vais à mon rendez-vous à l'orthodontiste. Là, il me reste comme, dans le fond, ce rendez-vous-là. Mon autre rendez-vous, mi-janvier, ils prennent les empreintes de mes dents. Puis fin janvier, je vais enlever mes broches. J'ai vraiment hâte. Okay. Puis c'est ça, j'ai un rendez-vous à l'orthodontiste. C'est comme vraiment proche d'ici. Donc c'est ça, à 3h. Puis que je vais partir vers 2h30 là, environ. Là. Puis après, je vais juste arrêter au métro, juste acheter quelques petits trucs qu'Anthony voulait qu'on achète. Puis après, je vais revenir ici. Puis, tu sais, j'ai écouté les vidéos. Je vais vraiment comme me reposer. Puis je vais éditer d'autres vidéos. Puis, c'est ça. Parce que demain, j'ai congé, mais j'ai ma certification en implantologie. Fait que, je vais quand même me lever tôt à cause de ça. Je viens de revenir. De l'orthodontiste. Puis, c'était mon avant-dernier rendez-vous comme de contrôle un peu. Donc, c'est ça. Puis, le prochain rendez-vous, le 16 janvier, ils vont me prendre mes empreintes. Puis, le 30, ils m'enlèvent mes broches. Puis, je vais avoir comme un fil lingual à l'intérieur du haut, un fil lingual à l'intérieur du bas. Puis, je vais avoir deux appareils de rétention. Là. Un appareil en haut, un appareil en bas. Fait qu'on va être sûr que mes dents ne bougeront pas. Puis, je trouvais que une de mes incisives centrales était comme plus longue que l'autre. Fait que là, elle m'a limé ma dent parce que j'ai dit, ah, est-ce qu'on pourra limer la dent à la fin comme, de mon traitement? Mais ça m'a un peu perturbée parce que, dans le fond, c'est elle qui s'occupe de moi. Tu sais, maintenant, ça fait plus que 5 ans que j'y vais, là. Mais c'est une assistante, dans le fond. C'est même pas une hygiéniste, c'est une assistante qui s'occupe de moi. C'est bien correct, là. Mais c'est elle qui me limait ma dent, ça comme... Genre, même moi, je limerais pas la dent de quelqu'un, là. Parce que, tu sais, t'enlèves de la structure dentaire. Puis, en tout cas, ça m'a un peu perturbée, là. Mais j'avais vraiment peur, pour de vrai, quand elle l'a faite. Mais après, je me suis regardée dans le miroir, puis c'était correct, là. Fait que, elle a quand même limé mes dents. Ici. Elle a limé ma dent, mais si j'aime pas ça ou si comme je veux genre limer encore plus, ça va être quand on va enlever mes broches. Mais je préférais ça, quand on va enlever mes broches, comme ça je vais bien voir puis je vais décider si je veux qu'on l'aime plus ou pas. En tout cas, fait que j'ai acheté des trucs au métro parce que on va faire la grosse épicerie dimanche au Costco. Mais on fait pas toute notre épicerie au Costco, en fait on va aller au Costco. On va peut-être arrêter au Maxi pour certaines choses. Là, ça fait comme 3 semaines qu'on n'a pas été au Costco, ou 4 semaines. En tout cas, juste me placer sur la chaise. Bon, c'est ça. Fait que je vais vous montrer que j'ai acheté au métro parce qu'on a reçu le Publisac hier. Puis il y avait comme des trucs pas chers. Anthony, comme, ah, tu pourrais acheter ça. Fait que, parce que le métro il était à côté de l'orthodontiste. En tout cas, j'ai acheté des muffins anglais de la marque Pomme. Ils étaient comme 2$ chaque. Nous, on aime vraiment ça, les muffins anglais, donc on en a... Ben, j'ai pris 2 paquets, donc on en a 2 x 6. J'aime beaucoup les repas congelés cuisine mes soeurs, qui sont vraiment bons. Puis, il n'y en a pas aucun qui m'est déçu et ils me remplissent. Comme, je sais qu'il y en a qu'un repas congelé, ça les remplit pas, mais moi, ça me remplit. C'est ça, fait que je les aime vraiment beaucoup. Puis le moins cher que je les ai vus, c'est à 2 pour 5. Puis là, il était à 2 pour 5. Donc, je m'en suis racheté. Donc, j'ai acheté le fettuccine au poulet, que j'aime vraiment beaucoup. Donc, j'en ai acheté 2 de celles-là.
Dans le fond, c'était 2%. Puis j'ai acheté deux de poulet grillé et légumes. Celui-là. Ils sont vraiment bons pour vrai. Puis, tu sais, c'est comme pas beaucoup de gras pour un repas. Fait que c'est le fun. Puis, en passant, je vais retourner au gym bientôt. Ben, comme la semaine prochaine, en fait. Parce que j'attendais de plus travailler aussi fort les vendredis pour pouvoir y aller 2 à 3 fois à semaine. En fait, je veux vraiment y aller 3 fois à semaine. Mais c'est comme ça va donner que je vais y aller 2 jours collés. Et je ferai pas le même entraînement, dans le fond. Parce que je vais y aller un jeudi sur deux, j'ai congé. Fait que je vais y aller le jeudi. Je vais y aller le vendredi, parce que j'ai congé, et je vais y aller le dimanche. Fait que dans le fond, vendredi et dimanche sont pas collés, mais je peux pas y aller le lundi, parce que je fais un 12h. Je peux pas y aller le mardi, je fais un 12h. Puis le mercredi, c'est que je fais 8h30 à 6. Fait que peut-être. C'est juste qu'il faudrait comme que je soupe entre. En tout cas, je pense que quand je vais avoir congé le jeudi, je vais faire jeudi, vendredi, dimanche, puis l'autre semaine, mercredi, vendredi, dimanche. En tout cas, je vais voir. Parce que c'est sûr, minimum 2 fois. Comme c'est sûr, j'irai tout le temps vendredi, dimanche. C'est juste le jeudi que c'est un petit peu compliqué. Parce que, comme la semaine que je travaille le jeudi, c'est 1h à 7h. Fait que, faudrait que je soupe, puis que j'y aille. Puis, ouais, ça va marcher, là. En tout cas, fait que ça va être jeudi, vendredi, dimanche que je vais aller au gym. Toujours. J'ai hâte. Puis je suis déjà inscrite. C'est juste que là, avec mon horaire de fou, je pouvais pas. Mais là, mon horaire est stable, donc oui. Bref, c'est ça. Mais je vais pas cette semaine parce que ça sert à rien d'y aller une fois par semaine. Parce que demain, j'ai ma certification en implantologie. C'est au 10h30, puis ça finit à 4h. Fait que je vais arriver vraiment tard chez moi. Parce qu'il y a plein de trafic. Donc, c'est ça. Puis, aujourd'hui, j'avais mon rendez-vous à l'ortho. Puis, en fait, j'avais vraiment envie d'y aller. Quand j'étais partie chez moi, je suis comme, ben là, il est trop tard, là. T'as pas emporté des trucs. En tout cas. C'est ça, puis dimanche, j'ai beaucoup de commissions à faire. Donc, c'est ça. Anthony aime vraiment la liqueur, OK? Moi, je suis vraiment pas une personne qui boit de la liqueur. J'aime pas tant ça, puis quand j'en bois, je bois genre ça. Mais ça me dérange pas. En tout cas, on a acheté. Fait qu'on a acheté ça. C'était 1$, dans le fond. Donc, un Sprite, puis un Coke, qui est, oups, qui est là. Puis, les Doritos. Ils étaient à 2 pour 6. Puis, j'aime ça, les Doritos. J'aime tellement ça, les Doritos. Fait que j'en ai acheté. Mais, c'est ça, c'est pas pour manger tout le temps, hein. C'est pour manger quand j'ai vraiment envie de. Donc j'ai pris, moi c'est les épicés mes préférés, puis il y a aussi piment infernal. Ils sont comme un peu sucrés. C'est ça que j'ai acheté, ça a coûté comme 23$ pour tout ça. Puis c'est pas mal ça. Là, ok, il est 4h03, oh my god. Il est 4h03, puis je me suis levée à midi, fait que quand ma mère était là, j'ai mangé un muffin, puis c'est tout. Fait que j'ai comme vraiment faim, mais j'ai pas envie de souper à 4h03 parce que je vais avoir super faim plus tard. Ouais, l'histoire de ma vie, de moi qui se lève tard. Bon, c'est pas grave. Fait que je vais ranger ce que j'ai acheté. C'est le bordel en passage. Je vais ranger ce que j'ai acheté. J'ai vraiment faim. Peut-être que j'ai grignoté quelque chose. Il est 4h45 et j'écoute des vidéos depuis tantôt. Là, j'allais écouter les vidéos de Amy Fashion Impact, son Black Friday haul. Puis, ça, je vais me faire les ongles. J'ai comme grignoté des morceaux de fromage en attendant parce que je ne voulais pas souper trop tôt. Donc, je vais mettre ce vernis-là de Dior qui est comme rouge bourgogne que je trouve vraiment beau. C'est un fini crème. J'ai mon sèche-vite que je mets par-dessus à la fin. Puis, je vais faire un ongle accent avec ce argent-là de China Glaze qui est cette couleur-là. C'est quoi? Cheers to you! Je vais mettre les brillants comme ça de Essie. C'est les Set in Stone. Sur comme l'ongle accent là, qui va être celle-là. Fait que je vais faire ça. J'ai édité un vidéo. C'est les vidéos du Black Friday haul. Donc, puis j'ai fait mes ongles. Ça donne ça. L'éclairage est jaune, c'est bizarre. Attendez. Ah, oh, ok, là c'est mieux. Ça donne ça. C'est 2 couches. Puis regardez pas mes mains, elles sont tellement maganées, j'ai comme plein de bobos. Là. Fait que c'est 2 couches du rouge. Ici j'ai 2 couches du argent avec 1 couche de celui-là. Puis j'ai mis le stitch vite par-dessus. Que j'aime vraiment ça. J'ai soupé, puis ça a peut-être pas l'air bon, ok? Je regarde ça, j'étais comme, non, ça a pas l'air bon. Mais c'est super bon, ok? C'est du Hamburger Helper. Je sais pas si vous savez c'est quoi, là. Mais c'est comme des pâtes, puis c'est de la viande, comme que mon chum a acheté, là. Fait que c'est les pâtes avec de la viande. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Donc là, je vais manger ça.
en écoutant la vidéo de Jean-François Cédé qui vient juste de mettre en ligne. Ma mère m'avait emporté des trucs l'autre jour que j'avais laissé chez moi, puis il y avait cet album photo, puis regardez ça! Oh my god, c'est Anthony là, en passant, si vous avez pas remarqué, mais sa face ressemble, mais checker ses cheveux, c'est pas long! Puis en tout cas, c'est des vieilles photos, oh, Anthony sur la plage. Ouais, Anthony, ça c'est à Wildwood, c'est beaucoup trop drôle, regardez ça! Oh my god! Ok, cette photo-là de moi est vraiment laide, là. Regardez ses cheveux! C'est trop drôle. En tout cas. Ah, moi et ma soeur. C'était quoi j'avais écrit? Moi et Anthony, moi et ma soeur. Encore moi et Anthony. Aïe, c'est moi et la soeur Anthony. Encore moi et Anthony. C'est encore moi et Anthony. Genre, c'était comme... On était dans une roulotte où je sais plus trop, là. Ouais. Là aussi... Anthony dans la roulotte, dernier jour en camping. Tellement drôle. Bonjour tout le monde. Donc là, il est 8h46. Ouh, j'ai la face comme toute brillante. En tout cas, puis j'étais en train de me faire couler un bain. J'ai rien fait de palpitant, à part comme regarder sur le site internet de Sephora si la palette Naked 3 était sortie. Parce qu'elle expirait, elle sort à minuit. Okay? J'ai un code de 20, j'ai un coupon de 20$ de rabais sur. Dans le fond, un achat de 50$. Fait que j'ai avoir 20$ de rabais sur la palette. Si je réussis pas à l'avoir en ligne, je vais... Si je réussis pas à l'avoir en ligne, je vais l'acheter en magasin. Mais c'est juste que... En magasin, il sort une semaine après. En tout cas, bref, c'est ça. Puis là, en ce moment, je fais couler un bain et j'ai utilisé ça ici de chez Lush. Là, il est rose et vert. Okay? Puis il est en morceaux. Mais cette année, il est rose et blanc. Celui qui est fait comme en cône. C'est un pain moussant et que c'est un peu le bonbon que je vais vous montrer dans le bain. Voilà le bain. Donc là, si vous voyez, c'est vert parce qu'il était gros, c'est vert, puis il ressort plus un petit peu vert là, dans son bain. Le bain, il est taché. Et si vous voyez comme des petites taches sur les côtés, c'est juste taché. Donc ça fait comme ça. En tout cas, ça fait plein de... Ça fait plein de mousse. Puis je vais me démaquiller dans le bain. Fait que j'ai comme mon nettoyant Michael Todd que je vais me démaquiller avec mon éponge de Boschia. Je vous ai parlé dans mon mi-favori de novembre. Après, je vais nettoyer mon visage avec Let the Good Times Roll de Lush. Et je vais exfolier avec, je pense, les Buffy là, qui s'appellent de chez Lush. J'aime mes produits Lush pour le bain. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout le monde. Donc là, je suis sortie de la douche. Du bain, en fait. De mon bain. Et j'ai pris... en fait, je me suis mis un masque. Donc... Dans le fond, une fois sur deux, j'utilise le Glam Glow, puis l'autre fois, j'ai décidé, ben comme aujourd'hui, j'ai décidé que j'utilisais celui de Origins. Donc ça, c'est le masque purifiant au charbon actif. Je me suis dit que ça allait être quand même très bon pour ma peau, qui est comme pas trop aimée ça ces temps-ci. Je prenais plus la peine de mettre de crème le matin. On dirait que j'étais comme juste trop pressée, ou en tout cas, j'ai enlevé ça sur ma tête, là, c'était pour pas mouiller mes cheveux. Que c'est ça. Fait que je pense que ça va faire du bien à ma peau. Puis là, j'attends Anthony. Dans le fond, il finissait de travailler à 9h. Puis je vais écouter des vidéos. Donc là, c'est Shine XO avec son haul du Sephora. Vous savez que j'aime les hauls du Sephora. Donc c'est ça. Puis là, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai prévu. Dans le fond, demain, je vais filmer quand même. Mais j'ai une certification d'implantologie de 8h à 6h, ok, puis c'est au 10h30, fait que je vais devoir, ben j'ai un lift, mais viens me chercher à 6h, parce qu'il va y avoir, genre, sûrement plein de trafic pour aller là-bas. En tout cas, c'est ça. Puis je vais essayer de vous filmer. Dans le fond, c'est parce que moi et une autre hygiéniste, on a décidé, dans le fond, on avait décidé séparément de faire la certification, puis là, quand on l'a su, ben elle m'a offert un lift pour y aller, notre hygiéniste de où je travaille. Ok, je pense qu'on est comme 150 hygiénistes environ qui vont faire la certification demain. Puis, c'est ça. Donc, c'est ce que je vais faire demain. Je vais quand même vous vlogger le soir et tout, mais comme ça finit à 4h, fait que ça va être l'enfer revenir à Montréal après. Là. En tout cas, surtout un vendredi. Samedi, je vais peut-être aller manger des sushis le soir. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire dans la journée. Puis dimanche, j'ai des commissions à faire. Fait que c'est pas mal ça. C'est que je viens de commander. La palette Naked 3 de Urban Decay.
Puis, c'est ça, comme je suis VIB Rouge, j'ai la livraison gratuite. Il était 62 $, j'avais un rabais de 20 $. Donc, elle m'est revenue avec les taxes à 48. Donc, wow, je suis trop, trop, trop contente. Donc, c'est ça, je viens juste de la commander. Là, elle est encore en stock, mais il est comme minuit. Je pense qu'elle est sortie il y a comme même pas 10 minutes, là. Puis là, j'ai tout de suite texté Alex. La palette est sortie sur le site. Puis, je l'ai tweeté aussi pour ceux qui voulaient la commander, là. Parce que c'est ça. C'est sûr qu'elle va être comme out of stock quand je vais mettre sûrement la vidéo en ligne, là, mais je l'écris sur Twitter au moins. Puis là, je suis dans le salon. C'est quoi ça? Ah, un Kleenex. En tout cas, je buvais mon thé, là, nuit d'orage, mais de la Védicie, le thé du jour. Mais je l'aime pas tant. Non. Fait que c'est ça. Puis là, je vais bientôt me coucher parce que demain, je me lève tôt pour ma formation en implantologie. Bonne nuit tout le monde. Puis dites-moi si vous l'avez commandée ou si vous voulez la commander.